nous avons recommandé qu'il ait quand même la représentation des personnes vivant avec handicap au moins d'une quota de 5% au niveau des institutions de la République, au niveau des entreprises et des portefeuilles de l'État, et puis que les personnes vivant avec handicap cette fois se retrouvent dans toute le, à la concertation que les chefs d'État venaient d'initier. Il fallait réunir toutes les personnes venant de toutes les provinces vivant avec handicap. Ils ont répondu positivement et les travaux qui ont eu lieu ici à Kinshasa du 23 au 24, en tout cas, tout le monde est satisfait. Oui, je suis très satisfait parce que c'est pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays que les personnes vivant avec handicap puissent se réunir en conclave pour parler d'une situation, qui prévalait dans leur tête, c'est une situation de l'exclusion des personnes vivant avec handicap. Je remercie d'abord le chef de l'État pour l'initiative qu'il a eue d'engendrer, soit de concevoir cette option et entrer en rapport avec l'activité de rassembler tous les Congolais pour une cohésion sociale qui peut amener ces pays au développement. Toutes personnes dans leurs associations ont donné des avis et pour l'amélioration de personnes vivant avec handicap et leur développement.